Salam alaikum les filles, pour aujourd'hui ce sera des soufflées super bonnes et moelleuses. Du coup on a besoin de un verre du lait tiède, du sel, une grande cuillère de levure, une grande cuillère de sucre, la farine, un œuf et de l'huile et un sachet de levure chimique. On met le verre du lait avec l'huile, on mélange bien. On rajoute la levure chimique et le sucre. On mélange très, très bien pour faire fondre le sucre. Puis on rajoute le blanc d'œuf. On mélange. Et on met le jaune de côté. On rajoute la farine au fur et à mesure, on mélange. On met le sachet de la levure chimique, on mélange bien. Puis on rajoute encore un petit peu de farine et on mélange toujours. Travaille la pâte à peu près pendant 3 à 5 minutes. On la met dans un sachet ou sinon on la filme comme j'ai fait moi. On la laisse reposer 30 minutes minimum. Et maintenant on s'attaque à la farce. On va prendre la viande hachée, l'ail. On met une petite cuillère de tomate concentrée. Pour les épices, on a besoin du thym, poivre, curcuma et paprika et laurier. On les met et on mélange bien. On n'oublie pas de rajouter un petit peu de sel. On laisse mijoter quelques minutes. Voilà, pour la farce, on a notre viande hachée. Pour moi, j'ai mis de la vache qui rit et du fromage râpé. On prend notre pâte, on la divise en deux, puis en quatre. On ouvre bien la pâte, bien fine. On met notre viande hachée, puis on va mettre un petit peu de vache qui rit et le fromage râpé. On ferme la pâte et après on va la plier sur elle-même pour qu'elle ne s'ouvre pas. Pour l'instant, notre four est en train de chauffer à 180 degrés. Maintenant, émettre. On va le laisser à peu près 15 minutes. Et voilà le résultat.